Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Dishonored Definitive Edition. En gros, c'est la version GOTY du jeu qui est sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360. Donc là, c'est la version PS4 et Xbox One. Nous sommes sur PlayStation 4. C'est édité par Bethesda. Le type, c'est FPS en vue de la première personne. Infiltration bourrin, tu vas jouer comme tu veux. Tu peux même finir le jeu sans tuer personne. C'est un truc à préciser. C'est un jeu en solo. C'est sorti le 28 août 2015. Les textes et les voix sont en français. C'est déconseillé au moins de 18 ans. Parce qu'il y a de la violence. Attention, c'est pas pour les petits. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Je remercie Alexandre de chez Bethesda de m'avoir fourni un exemplaire. Parce que sans lui, j'aurais pas pu faire la vidéo. Donc je le remercie. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à me follow sur Twitch. Le lien est dans la description, ou venir sur Twitter, à chaque fois que je commence un live, je le dis sur Twitter, comme ça vous pouvez me dire, parce que je ferai la découverte, et ensuite, le reste du jeu, je le ferai en live, et on passera un bon moment ensemble, c'est gratuit, ça mange pas de pain, et on est parti. Corvo, j'aurais souhaité confier cette tâche à un autre, pour vous garder à nos côtés, mais je ne vois personne d'autre. Le maître espion a eu raison d'insister. La peste a emporté tant de monde. Nous devons trouver un remède. Mon cœur n'est en paix qu'à vos côtés. Émilie et moi compterons les jours jusqu'à votre retour. Revenez-nous vite, avec de bonnes nouvelles. Doucement. C'est bon, attention! Donnez du mou! Larguez tout! On peut y aller. Emmenez-nous à Dunwall Tower. Lord Corvo a un message pour l'impératrice et nous venons de loin. Et avec de mauvaises nouvelles, les marins disent que nous sommes maudits de la magie noire. Superstition. Peut-être qu'il existe déjà un remède à la peste. Possible, on vit une drôle d'époque. Envoyer au loin le garde du corps de l'impératrice pendant des mois, ce n'est pas très commun. Oui, mais il le fallait. Il nous faut agir contre la peste. L'impératrice attend vos nouvelles, Corvo. Alors, je voulais juste expliquer pour le principe. Hein. Moi, à chaque fois qu'il y a du dialogue, je me tais pour vous laisser dans l'immersion. Et c'est beaucoup plus intéressant pour vous d'entendre le jeu, de vivre le jeu. T'as compris ce qu'il faut faire ? Ouais. Ça manquait de pression. Ils sont trop sensibles, ces nouveaux engins. Moi, j'aime bien les jeux comme ça, qui sont vraiment faits en full FR. D'ailleurs, je crois que, si je dis pas de bêtises, les développeurs du jeu sont français. Bonjour, monsieur. Corvo, tu es de retour. Raconte-moi ton voyage. Dis, tu as vu des baleines? Hé, tu veux jouer à cache-cache? Je ferme les yeux et tu vas te cacher. Tu as le temps. Mère est occupée. Elle parle avec ce vilain maître espion. Allez, on va jouer un petit peu, non mais oh. D'accord, allons-y. Non. Tu okay. as vu des monstres sur les autres îles? Ma nounou m'a dit qu'il y en avait plein dans le grand océan. Mais moi, je crois qu'elle disait ça pour me faire peur. Ah, ça, on sait pas. Ouh. Cours avec moi. D'accord, on y va. Voyons, dans la main. Tu sais toujours jouer. Va te cacher, je ferme les yeux. Quand j'aurai fini de compter, j'irai te chercher. J'y vais. D'accord. Je compte jusqu'à 10. Trouve-toi une cachette. Vite. Merci. Alors, je vais essayer de trouver
une petite cachette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me voilà. Maintenez triangle pour rentrer le joystick pour voir à droite ou à gauche. Ok. Elle est là! Elle va pas me trouver. Impossible qu'elle me trouve. Ça me rappelle quand j'étais petit, quand je jouais à cache-cache. J'adorais ça. Ou la gamelle. Je sais pas si vous connaissiez ce jeu-là. La gamelle. Ah, c'était top. En fait, vous aviez une balle. Bref. J'expliquerai ça une autre fois sinon. Tu ne trouveras pas. En gros, la gamelle, je vous explique, hein, voilà, vu qu'elle me cherche, il y a une balle. Et notre but, c'est de nous cacher. Et quelqu'un qui doit défendre la balle. En gros, il doit trouver toutes les personnes sans que les autres, qui sont cachés, doivent taper dans le ballon. Parce que dès qu'une personne tape dans le ballon, s'il y a des prisonniers, bah, tout le monde est... Tu pourras continuer à m'apprendre l'escalade. Un jour, je grimperai sur le toit. Tout le monde s'enfuit, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais... Ok, en fait, la petite, elle m'a pas trouvé. Elle se barre, quoi. Quelle mauvaise joueuse. Bon bah on va repasser par l'autre côté. J'aurais peut-être dû me faire découvrir. C'est qu'une enfant après tout. Allez. Tu vois, esthétiquement, c'est sympa. C'est sympa, moi j'aime bien. Ok. Ravi de vous revoir, protecteur. Bonjour. Cessez de bouger, Campbell. Et vous, Corvo, bien le bonjour. J'ignorais que vous étiez parti. On l'a envoyé dans les îles, quémander de l'aide. Une perte de temps. Mon élixir aura tôt fait d'éradiquer la peste. Eh bien, restez immobile un instant, votre éminence. On va aller laisser un. Elle va vous recevoir. Merci. Vous avez l'air très gentil, monsieur. Salut. Viens, je parle moi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'elle a pas l'air très, très accueillante. Il s'agit de malades, pas de criminels. Là n'est pas la question, votre majesté. Ils... Ce sont mes citoyens, et je ferai tout pour les sauver de la peste. Sans exception. Très bien. Nous ne parlerons plus de cela. Maman, Corvo est là. Merci, Émilie. Laissez-nous, je vous prie. Tout de suite, majesté. Toi, je t'aime pas. Bravo. Quelle surprise. Vous avez 2 jours d'avance. Rien de moins. Comme il est bon de vous revoir ici. Quelles sont vos nouvelles ? Laissons les dons tranquilles. J'espérais que cette maladie serait connue sur une autre île, qu'il y avait un remède. C'était mon dernier espoir. Je ne sais plus quoi faire. Les lâches, ils déploient un blocus. Ils veulent attendre de voir si nous succomberons à la peste. Qu'y a-t-il, mère ? Vous semblez triste. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais bien. Mais où sont les gardes ? Qui les a congédiés ? Mère, là-bas ! Qu'est-ce qu'ils font sur le toit ? Quoi ? Émilie, viens ici. Si vous êtes équipé d'une arme ou d'un pouvoir, appuyez sur R2 pour attaquer de la main droite et L2 de la main gauche. D'accord. J'ai direct dessus, moi. Maintenez R1 pour bloquer les coups d'épée. Émilie, viens derrière moi. Voilà, tu veux jouer le fifou ? Je te découpe en rondelles. Oust! Y'a ma petite. Corvo, merci. Si vous n'aviez pas été là... Oh non, pas encore! Maman! Non! Laissez-la tranquille! Corvo! Oh, oh, oh. Maman! Oh.
Lâchez-moi ! Corvo ! Corvo ! Tout est perdu. Trouvez Émilie. Protégez-la. Vous êtes le seul. Vous saurez quoi faire. N'est-ce pas ? Corvo ? Juste ciel, mais qu'avez-vous fait? C'est lui. Il a tué l'impératrice. Qu'avez-vous fait de Lady Émilie? Traître! Son propre garde du corps. Quelle ironie. Vous le paierez de votre vie, Corvo. Emmenez-le. Ça commence bien, enfin, ça commence bien, pas pour le personnage, pas pour Corvo, mais pour nous, parce que ça met vraiment dans l'ambiance. Bagne, ouais, je vais éviter de lire. On va éviter, d'accord? D'ailleurs, lecture, c'est le mot magique de cette vidéo, lecture. Dernière chance, Corvo. Signez les aveux et laissez-moi vous administrer les derniers sacrements. C'est assez pour l'instant. Sortez. Laissons-lui du temps pour réfléchir. Corvo, l'impératrice est morte. Sa fille Émilie est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité. Oui, pas de chance. Dès demain, vous serez exécuté, mais c'est pour une bonne cause. Ce pays a besoin de dirigeants forts, capables de guider les faibles. Il a besoin de nous. Il n'y a rien de personnel dans tout ça. Même si vous avez presque fait échouer le plan. Mais tout s'est arrangé. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il nous fallait trouver un coupable. Adieu, Corvo. Garde, ramenez-le à sa cellule. Mangez donc, Corvo. Ce repas vient d'un ami. J'espère que c'est un bon ami. Ouais, d'accord, c'est un morceau de pain. Ah! Alors, Corvo, qui nous sommes, d'aucune importance pour le moment. Sachez simplement que nous avons confiance en vous. Voici la clé de votre cellule. Lorsque vous serez dehors, dirigez-vous vers la salle d'interrogatoire de la prison. Prenez l'explosif qui s'y trouve et placez-le sur le portail du ban. Quand la bombe sautera, courez vers la rivière et engouffrez-vous dans les égouts. Vous y trouverez quelques pièces d'équipement utiles. L'un des gardes de la prison laissera une arme juste à l'extérieur de votre cellule. Bonne chance, nous avons besoin de vous sains et saufs pour la tâche qui nous attend, un ami. Hop, on récupère d'ailleurs, je vais voir si ça peut être quelque chose ici. C'est pas très accueillant en même temps. C'est là, il va se dire, faire caca ici quoi, c'est chaud. Ah, on a vu un truc, c'est quoi ça? D'accord. Bon bah, je sais que c'est pas bien de... gâcher, on va laisser le robinet. Redis-moi ce que tu ferais si Slack Joe et ses gars de Bottle Street t'attrapaient. Allez, on va jouer. On va essayer de jouer là. Hop, on récupère les pièces aussi. Pourquoi tout le monde veut venir voir l'exécution de demain? Parce que c'est celle de. Fais-moi sortir. Le gars qui a tué l'un. J'ai plus de 3 jours avant qu'il me coupe la tête. Allez, comment je peux faire pour vous aider? Camarade, c'est l'heure là. Moi j'aimerais bien les aider et avec une épée en main, appuyez sur R2 pour assassiner un ennemi sans méfiance ou approchez-vous de lui par derrière et maintenez R1 pour le neutraliser sans le tuer. D'accord. Alors, comment ça se fait qu'il me voit pas quand même? C'est... sur les combats de chiens. Attention. L'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipes d'entretien. Hop. Joli. Sauf accompagné par. Essaie d'en tuer autant que tu peux.
Non, pas le... L'escorte doit faire l'objet... Ah, je vais éviter de les tuer. C'est là où je vous disais que le que dans le jeu, on peut... Merde, oh, c'est pas grave. On peut soit tuer, soit... Oh, punaise, il m'a lancé une pierre. Salut les rats, ça va? Bien ou quoi? Moi, je me tire. Hein. Je voulais la jouer silencieusement. Au niveau des épées, il n'y en a pas qui sont différentes. L1, utilisation rapide. Laissez-moi, je vérifie tout, qu'en fait, c'est le genre de jeu comme dans Wolfenstein. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que faut voir plein de choses, faut récupérer, etc. Parce que c'est pas forcément évident si on fait rien. Hop. Hop, hop, et hop. Par contre, il y a... ah, j'ai cru voir quelque chose. Ah bah, nickel. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont... Ils ont pas lancé l'alerte. Hop. Quelqu'un en bas ? Ok, y'a personne. Ouvrir. Y'a personne. Je ferme la porte au cas où. Ah, y'a un petit truc ici. Moi, je pars. C'est... Oh, attention les rats, hein. Vous avez... Ah d'accord. Très bien. What, c'est quoi ce bruit? L'accès à l'aile d'isolement est interdit. Un rôdeur en liberté, sauf accompagné par un officier de la garde. Toute escorte doit faire l'objet d'une demande préalable. Bon. Allez, salut. Bonne mort, comme on dit chez moi. Alors, de loin, est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? A voir, non. Désolé pour le, pour comment je joue un petit peu. C'est la sensite, hein, un petit peu importante, mais je vais m'adapter, hein. J'ai évité de la changer. Clé de passage. Ah, c'est lui qui l'a. Heureusement que c'est pas celui qui est en bas. Ça m'aurait fait chier de retourner en bas. Hop. C'est ok. Ça y a pas de problème. Je la sens, cette ambiance compliquée. Ouh là là. Ok, personne ici. Oula, c'est quoi ça? L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement. Yard, c'est maître, non? Ok, il me faut la clé. Je vérifie bien, encore une fois. Je trouve qu'il y a beaucoup de rats. Hein. Ça me fait un petit peu flipper, je me souvenais pas qu'il y avait autant de rats dans le jeu. En même temps, si c'est un problème de peste, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'on peut prendre le tournevis? Non, là-dedans. Ah! On peut boire. Blam, blam. Lui, il fait penser un petit peu à Gru, là. Avec son nez, un petit peu. Genre le nez bien pointu, tu vois. Hop, ça on récupère. Ok, j'attendais exprès. Alors, rapport de l'officier de garde, interrogatoire de Corvo. Corvo Atano, anciennement protecteur royal, va être amené ici pour être interrogé. Cette affaire est de la plus haute importance. Le Lord Régent et le grand superviseur Campbell conduiront l'interrogatoire en personne. Suivez leurs ordres à la lettre et gardez le tourmenteur sous contrôle. Si Corvo meurt de sa main au lieu de l'exécution publique souhaitée par le Lord Régent, c'est votre tête qu'on tranchera, d'accord.
Ah. D'accord, ça en fait c'est sûrement pour... c'est pour détourner l'ennemi, ça ne sert pas forcément à grand chose. Enfin pour l'instant, après, si je vois un ennemi et que je dois faire diversion, ça peut être intéressant, mais hormis ça, tant que c'est vide, c'est pas intéressant. Allez, on y va, on va à la porte. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement et aux dignitaires autorisés. Un quartz, espèce de larve. T'as patrouillé dans la cour ? D'accord. Non, non, ça... pas encore. Ça servait à quoi de prendre la clé qu'on a eu hier. Oublie ça, va plutôt faire ta ronde. Un rapport, c'est mauvais pour nous deux. Ouais, j'y vais. Hein ? Non, 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 il m'a pas vu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt passer par là. Je vais d'abord m'occuper de lui, je vais m'occuper de celui qui est à gauche. Oh, punaise! Attendez. Sont accompagnés par un officier de la garde. Toute escorte doit faire l'objet d'une demande préalable d'une semaine à l'avance. On va le poser ici. Bon. Il est en train de faire dodo. Par contre, il y a lui qui est là. L'autre, je vois pas trop où il est passé. Je prends mon temps. Généralement, je serais passé directement à un endroit. Hein ? Silence. Ah tiens, il a quelque chose, 20 pièces, c'est top. Salut les rats, les rapaces des pics, comme je dis si bien. Corvo doit être exécuté demain, c'est ça? Ouais, mais il faut que tout soit prêt aujourd'hui. J'ai hâte de voir sa tête tomber. L'impératrice, tout le monde l'aimait pas. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement. Et aux dignitaires autorisés. Hey, pas maintenant. D'accord. On peut ouvrir cette porte. Ok, c'est... Ah, d'accord. En fait, depuis le début, on a fait tout le tour, alors qu'on... D'accord. Très bien. Alors, lui, il est passé par là. Nous, ce qu'on peut essayer de faire... passer par là, hop. Ce qu'on aurait pu faire sinon, c'est juste lui piquer, voilà, ce qu'on avait besoin, par exemple les pièces ou autre. Mais moi je préfère les endormir. Voilà, on mange. L'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipes d'entretien, sauf accompagné par un officier de la garde. Toute escorte doit faire l'objet. Merde. Demande préalable, une semaine à l'avance. Je vais le laisser ici de toute façon. Je vais pas rester bien longtemps. Hop. Ah, c'est une... ah ici, je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu. Allez, c'est ma chance. Hop, parfait. T'as quelque chose pour moi ou pas? Non. Attends, je peux rester debout. Hop, 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 hop. Miam, miam. On ouvre la porte, il y a les pièces, et je pense qu'on a oublié quelque chose. Voilà. Voilà, on mange, même si on est rassasié. En fait, je pense qu'on aurait pu passer par là, bah ouais. Mais bon, si on était passé par là, je lui aurais fait face, et je pense qu'il m'aurait découvert. Voilà, parfait. Viens là, toi, viens là. Hop. Voilà, on le jette comme un malpropre. Il a rien pour nous. J'aime bien le bruit de ronflement. Ça fait penser à quelqu'un.
C'était quoi? Oh bah allez. On y va comme un bourrin, c'est rien de se prendre la tête. Allez, reste là, t'es mignon. J'aurais dû garder un petit peu. Ah bah voilà. Au début, oui, il vous donne beaucoup à manger. Croyez-moi que plus tard, on vous donnera beaucoup moins de nourriture. Alors, est-ce que je... Ah non, j'ai pas récupéré les explosifs. Est-ce que je les ai récupérés? D'accord. Je pense qu'il faut y aller, d'après ce que j'avais lu. Ah d'accord. Vite. En fait, je me suis... est-ce qu'il faut les par... Ok, bah c'est bien par là qu'il faut les gagner. Je nage en dessous. Allez, vite. En fait, j'ai pas compris pourquoi j'ai activé le levier, du coup. Bon, c'est pas grave, on passe par là. Je comprends que c'était par là qu'il fallait passer, de toute façon. Stop la musique, s'il vous plaît. La musique, stop. Tu te calmes. Ah oui, on est dans les égouts. D'accord. En fait, je pensais que c'était un choix crucial et tout. Je me dis, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est quand, seulement qu'on change de zone. Ça nous dit bien qu'on change de zone. Donc, si j'avais d'autres choses à faire. Mais bon, le jeu, je vais pas non plus le faire à 100% au niveau des collectes d'objets ou autres. Parce qu'au début, on le fait, mais après, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a oublié plein de choses. Et après, voilà, on se dit, bon, allez, ça y est. On le refera une prochaine fois, on fera un New Game Plus. Et ce sera très bien. Mais voilà, voilà. Combien de gens il a tué en s'évadant du bagne? Enfin, quelques gardes de plus ou moins. Quand on a tué l'impératrice. La ferme! Regarde ça. Quelqu'un est venu ici. Ah, mais il y en a beaucoup de rats ici, là. On dirait le un personnage qui faisait de la flûte et qui a attiré les rats. What? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, oh my... D'accord, what? Ah d'accord, en fait c'est des rats, mais... Ah, jusqu'à l'os, jusqu'à la... D'accord. Je pense qu'ils avaient faim. Ils ont la dalle. Ah mais ils vont laisser aucune miette. Mais, dépêche-toi là, c'est roux. Non, non, c'est bon. De toute façon, il y a une barrière. Ils vont pas pouvoir venir. Au cas où, je vais quand même courir. Tapette spoiler. Hop. What? Vas-y. Je m'enfuis. Ok, on peut passer par là. Je suis sûr que j'ai oublié des choses, mais en même temps, quand vous tombez sur des rats qui bouffent les humains, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Ah non, il y a... Excusez-moi. Quelque chose de pas mal ici. Voilà. Amanda et moi avions juste assez d'argent pour acheter la moitié de l'élixir dont nous avions besoin et désormais nous n'en avons plus. Nous ne pouvons qu'attendre. Nous sommes très malades. Il n'y a aucun endroit à la surface où se cacher de la garde urbaine. Ils forcent les portes des maisons dans tous les quartiers. Nous allons donc rester ici et partager les quelques heures qui nous restent ensemble. Notre feu garde les rats à distance. Mais ils finiront par envahir cette ville d'Amiens. D'accord. C'est bien les rats. Hein. Toujours la faute des rats. Hop. Garde ma bouteille. Ça peut servir. Ah. Voilà, ça c'est fait. Ensuite là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose pour Bibi? Non, on va voir. Pas du tout. Je voulais vérifier s'il était mort ou pas. Ça peut paraître con, mais tous les moyens sont bons. Allez, on maintient. Nickel. Est-ce qu'il y aurait une arme cachée en dessous?
Je n'ai pas l'impression. Hop. Pas mal tout ça. En tout cas, ils m'ont... Ils pouvaient pas mourir de faim avec tout ce qu'ils avaient. Enfin, quand je dis ça, mais ça tu le bouffes en... En quelques minutes. Et de ce côté-là, y'a rien. Comme vous avez pu le remarquer, faut vraiment tout vérifier. Si, mais c'est trop loin. Et je sais pas toi, mais moi je veux pas choper la peste, hein. On n'est pas protégé par les missiles. D'accord, j'ai compris. En tout cas, balançons-les ici. L'air à aller. En fait, ils sortent de là, non? Ça fait penser un peu à Charlie la chocolaterie. Oui, toujours des références bizarres. Hop là. Portée. Là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... Le lancer là. Et lui, le lancer là. Vous voyez comme ça, ça va les attirer. Les rats vont être attirés par les corps. Moi, je vais pouvoir ouvrir sans aucun problème, je l'espère. Oui, c'est bon. Allez, salut les rats. Hasta la vista. Votre attention, citoyen de Denois. L'assassin Corvo, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et de l'enlèvement de Lady Emily, héritière du trône, s'est temporairement soustrait à sa détention. De braves agents de l'État sont morts en tentant de l'arrêter. Il doit être capturé à tout prix, mort ou vif. Quand même, hein, je viens de bouffer un rat. Un rat en brochette en plus. Pas n'importe quoi. Allez. À la force de mes bras, je réussis. Allez, allez, allez. Non, non, je dis la force de mes bras. Oui. Dès que je dis la force de mes bras, le jeu l'a fait. Hein? De quoi tu parles? De quelle force parlez-vous, monsieur? Hop, et les pièces. Je pense que ça, c'est pour les améliorations. Ou qu'on sera en ville pour améliorer certaines choses. C'est pas intéressant. Hop, et là, quelque chose. Non. Je l'avais vu. Je l'avais vu, le fil. Mais inconsciemment, j'ai quand même foncé dedans. Enfin, ça m'apprendra. Mais je sais pas. Ça, j'en veux pas. Mais vraiment, inconsciemment, je me suis dit, hop, je vais y aller à fond. Comme quoi, être bourrin, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Non, on va faire une zone par une zone. Ici, on a fait ce qu'il fallait. Mais comment? D'accord. Ça se passe donc comme ça. Bon, on va plutôt rester en bas pour le moment. Il y a des choses ici, mais c'est pas intéressant. Alors, on va aller là-bas. Il doit y avoir des choses. Voilà. Je suis désolé de piquer votre argent, mais je pense que vous êtes mort. Là-bas, il n'y a rien. Ça, on peut pas le prendre. Donc, on va repasser. Attendez. Par en haut ou par là? Je vais dire par là. Attendez, il y a un truc ici, là. Ah non, c'était le piège, c'était le piège. Je vais essayer de remonter pour voir si je peux récupérer les sortes de flèches. Oups. Voilà. Vous voyez? Des carreaux, ça peut être plutôt cool. Ouais, maintenant on a plus forcément besoin de rester ici. Allez, on rentre à la maison. Alors, salutations Corvo, ou devrais-je dire protecteur, comme on vous appelait avant qu'on vous retire injustement ce titre. Alors, nous sommes des serviteurs de l'Empire et de la véritable impératrice, un groupe de fidèles souhaitant ardemment vous rencontrer. Prenez ces armes, elles ont été fabriquées pour vous avec les meilleurs matériaux des îles, puis allez voir Samuel, l'un de nos hommes qui se trouve près de l'endroit
où ces tunnels se dévergent dans le... Ok, je le dirai pas. Ne traînez pas et bonne chance, nous partageons une cause commune. D'accord, en gros c'est... Nice. En gros c'est comme des... Des rebelles, voilà, disons ça comme ça. On est équipé. Pas besoin d'initiation, tout va aller pour le mieux, je pense. On va découvrir ça ensemble, je dis ça, mais je sens que ça va mal aller. Attends, je verrai ce qui va se passer avec lui après, juste voir. Hop. Quoique je fais ça, mais il y a peut-être des rats qui vont venir du coup. Parce que les rats n'aiment pas le feu. Ouais, je peux courir en sprintant ou je peux déclencher le truc. C'est-à-dire voir la mort arriver. Jedi, au cas où tu serais trop bête pour t'en souvenir, regarde ton whisky et t'auras la réponse. Whisky compris, si tu veux, ta part tu trouveras. Sinon, je regarde mon prochain. D'accord. Alors, oh, un coffre-fort. Combinaison requise. Ah. Donc, on va essayer de trouver... Ah bah, c'est peut-être la combinaison du coffre, finalement. Dans ce qui me parle. Alors, il faut qu'on trouve le whisky. Mais où est-ce que le whisky peut-il bien être? On peut passer par là et tout. Ce serait pas la bouteille que j'ai pété, peut-être. Ça serait dommage. Ok. Oh. Non, je pense que ça doit être plus dans cette zone, le truc. Oh, sinon c'est pas grave, allez. Je ne laisserai pas filer, Shell. Parce que tu crois que tu fais le poids? Seul face à lui, t'as aucune chance. Et je fais quoi s'il y a personne d'autre dans le coin? Essaie de faire du raffut en mourant. Fais tomber un truc si possible. Crevard. Allez, on y va. Attention, attention. Hop là. On a vraiment de la chance. Ouais, non, l'initiation, je vais la faire moi, tu vas voir. Pas étonnant. Il y en a qui viennent mourir ici des fois. Ils plongent dans l'eau et fin de l'histoire. J'ai entendu quelque chose. Oh. Silence. C'est pas trop ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Tant que le résultat est là, c'est le principal. Allez, on va avancer. Est-ce que je t'ai parlé de la fois où j'ai failli attraper celui qui avait tué l'impératrice? Tu me feras toujours rire. Hey, c'était quoi? Mais genre, c'est n'importe quoi. Misérable, vaut rien. Ah, tu vois, on a un coup. Quoi? Ah, mais. Vous voulez vous battre? Venez, venez. De toute façon, il y a du rat à côté. Je suis attaqué comme un bourrin, il n'y a pas de problème. Voilà. À qui le tour? Merci bien. Ok, ça me donne pas autant que j'aurais espéré. Voilà. Ça vous apprendra à manger les autres. Ouais. Tatin. On sent un petit coup de vent là. Ok.
assassin Kong, coupable du meurtre de notre impératrice bien-aimée et de l'enlèvement de Kong. Vous, par ici. Venez juste salut. Avec vous. Je m'appelle Samuel. Et je travaille pour des gens bien qui aimeraient beaucoup vous rencontrer. Ils ont dit que je vous trouverais là, mais j'ai encore du mal à y croire. Je vais vous conduire à eux. Bon, c'est pas loin d'ici, par le fleuve. Bah, allons-y. Pas de problème. Allez, sans prise de tête. Comme ça, je pense qu'il y aura une scène cinématique. Ah bah non. Ah voilà. Bah, vous savez quoi, on va s'arrêter là. Je pensais qu'il y avait une petite scène cinématique qui aurait expliqué. Mais on y va comme ça. La suite, ça sera dès le début, on va dire, de la prochaine mission, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pris mon temps. Voilà, je fais le jeu comme j'ai envie de le faire, sans me presser, sans prendre la tête. On se retrouve sur Twitch pour la suite. Et puis sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut!